Bonjour la famille, c'est comment? Ok, je suis tellement en joie ce matin-là. En tout cas, j'espère que ça va très bien sur vous parce que moi je pète vraiment la forme. Après cette vidéo, j'irai pour une réunion de travail là. On me présente à une direction aujourd'hui en fait. Voilà, je vais vous parler d'entreprise dans mes vidéos qui vont suivre. Bon, cette vidéo c'est pour remercier M. Lamine Sangaré et donner mon petit point de vue sur le prix des tickets. Voilà. En tout cas, M. Lamine, nous sommes très fiers de vous. Mon message est bien passé parce que la conférence de presse que vous avez donnée hier, c'était juste au lendemain de ma vidéo où je m'adressais à vous, où je vous demandais de nous donner des explications, de nous parler de votre stratégie de communication et tout, et de la promo de ce concert-là. Et Dieu merci, avec beaucoup d'humilité, malgré votre rang, vous avez répondu en nous donnant cette conférence de presse-là. En tout cas, nous vous remercions beaucoup, 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 beaucoup. Tout a été clair, tout a été dit. Moi, c'est la part que vous avez dit. Vous avez dit, en tout cas, vous allez mettre le maximum sur tous les supports audiovisuels, le support muet, les panneaux, en tout cas, tout, sur toute la communication. C'est ce qui m'a rassuré. Donc, je suis vraiment, vraiment content de vous. Donc, je vous dis merci, 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 monsieur Lamine. En tout cas, vous êtes un homme de parole, un homme de valeur, un homme de conviction. Et ce qui me plaît, malgré que vous avez donné 50 millions à cet artiste-là, vous avez confiance en lui. Et c'est ce que je loue chez vous. Vraiment, merci beaucoup. Merci, merci, merci beaucoup. C'est ce qu'il fallait faire depuis, au fait. Même si vous l'aviez fait quelques jours après la signature du contrat. Là, au moins, on savait que les hostilités pour la campagne de ce grand conseil historique-là commençaient le 5 mars. Comme je vous avais dit, début mars. Donc, en tout cas, du 5 mars jusqu'au 31, Abidjan va crier des Bordeaux, miracle des mélodies. Voilà. Maintenant, mon deuxième point rapidement, c'est concernant les tickets. Franchement, moi, je n'ai pas de problème. Ça va parce que j'ai l'argent. Je n'ai pas d'argent. Je me débrouille comme vous. Mais je me dis que mon artiste mérite ça. Et puis, c'est vrai que mon artiste va nous procurer beaucoup de plaisir. Il va nous donner beaucoup de plaisir. Mais il faut que M. Lamine aussi rentre dans ses fonds. Voilà. Donc, 10 000, 15 000, c'est bon. C'est bon, ça marche. En tout cas, les fans de Bordeaux, nous ne sommes pas riches, mais nous savons soutenir. Donc, je ne pense pas vraiment que ça dérange. Voilà. Parce que son premier conseil, il a fait à 5 000, 10 000. On ne s'est pas plaint, on a trouvé que c'était abordable, on a rempli le coin. Aujourd'hui, c'est 15 000, 10 000. Et ça aussi, ne vous inquiétez pas. J'ai certains amis de l'extérieur même qui disent que même si le conseil était, si les tickets étaient à 20 000, 25 000, ça, ce n'est pas un problème, ils allaient payer. Parce que franchement, ce conseil-là, c'est un conseil à ne pas rater, en fait. Donc, rassurez-vous, rassurez-vous. Dès que la billetterie est disponible, ne vous inquiétez même pas. Tous les tickets finiront avant même avant même la date du concert. Je sais que ces tickets-là vont s'écouler en moins de 2 semaines. Je suis confiant. Je suis dans les coulisses. Je parle avec beaucoup de personnes. Je sais que c'est quelque chose de magique. En tout cas aussi, en tout cas, c'est pour montrer aussi que Dieu va se manifester, quoi. Voilà. Pendant qu'il y a certains qui font leurs tickets à prix dérisoire, nous, on fait notre ticket à 10 000, 15 000. C'est vrai que c'est de l'argent, mais quand tu aimes ton artiste, c'est rien. Voilà, c'est rien du tout. Donc on va remplir ce palais de la culture. Et puis, fans de Bordeaux, ne vous inquiétez même pas. Ne vous inquiétez même pas. J'ai quelques oncles et parents dans la mairie ivoirienne qui disent que faut même pas qu'on s'inquiète sur le volet sécuritaire parce qu'il aura la sécurité. Comme si c'était le président qui venait quelque part. Donc, ne vous inquiétez même pas. Ces petites trêches villes qui m'a agressé les gens après le concert à ce moment. Ah, je vous informe, hein, parce que le gars, M. Lamine, va vraiment mettre le paquet sur la sécurité. Évitez ça. Ceux qui vont vouloir aussi venir mettre du désordre pendant le concert, ah, vous risquez de passer quelques jours au Nouf. Hein. Ça, je vous préviens en même temps. Parce que ce n'est pas un concert amusement, c'est un concert historique. Ce n'est pas n'importe quel concert. Donc, vous êtes prévenus d'avance. C'est un jour de célébration, c'est un jour de commémoration, c'est un jour
de joie, de festivité. Donc, venez dans un bon esprit pour qu'on s'amuse tous ensemble. Le palais va refuser du monde. Soyez rassurés. Soyez rassurés. Le palais de la culture, l'oiseau livre, l'espace oiseau livre va refuser du monde. Vous comprenez pas? Je suis pas super chrétien, mais je crois trop en Dieu. Et puis, je vois déjà Dieu se manifester même. C'est à part nous-mêmes là, mais les autorités du pays vont finir au moins la moitié de ces tickets-là. Le petit est trop aimé, il est trop aimé. C'est ce qui dérange beaucoup de personnes. Mais après ce conseil-là, je vais commencer à lui donner des conseils très virulents. Et très virulents. Très virulents. Très, très virulents. Pour qu'il se calme. Dieu merci, ce qui me plaît chez lui, il a arrêté les injures, il a arrêté d'insulter ses fans débiles qui passent son temps à l'insulter, à se moquer de lui là. Il a arrêté de les insulter. En tout cas, je dis merci, mon artiste, Debordo, vraiment merci. Continue comme ça. Ne les écoute plus. Ignore-les. Voilà, ça les fait mal que tu aies eu le premier cachet, le plus cher du coupé décalé, celui des 50 millions. Donc, c'est normal. Il y a beaucoup de haine, il y a beaucoup de jalousie. Mais ne les calcule plus. Voilà, nous, on va faire ton palabre. On s'adresse plus à eux, mais quand on fait ton palabre, on va faire ta promotion, quoi. On va toujours parler de toi parce que tu fais de la bonne musique. On parle de mélodie. Mélodie. Aïe, 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 aïe. Eh, Seigneur. Eh, Seigneur. C'est Dieu seul qui sait. C'est Dieu seul qui sait ce qui va se passer. Aïe, aïe, aïe. Bon, les amis, en tout cas, donnez-moi vos avis en commentaire, hein, concernant le prix des tickets. Moi, personnellement, je trouve qu'il n'y a pas de problème. Pour un concert tant attendu, je trouve personnellement qu'il n'y a pas de problème. Voilà, moi je vous dis pas que je vais prendre un ticket VIP, mais à la rigueur je pourrais prendre un ticket de 10 000, ça c'est sûr. Voilà. Donc donnez-moi vos avis en commentaire, dites-moi si, qu'est-ce que vous en pensez, si le prix des tickets sont abordables, s'ils sont chers, en tout cas donnez-moi vos avis. Mais moi perso, je trouve que ça peut aller. On va remplir ce concert-là. Même si les tickets étaient à 25 000, on allait payer ça. Voilà, parce que ce concert-là, il n'est pas à manquer. Donc rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous le 31 mars. Le 31 mars, le concert démarre à 16 h. Le concert démarre à 16 h. Donc toi qui viens après 16 h, ah, tu vas rater beaucoup de choses. Donc en tout cas, laissez vos avis en commentaire et puis que Dieu vous bénisse. On s'amuse, hein, on s'amuse. On parle du showbiz, on parle de Debordo. Mais mettez Dieu dans tout ce que vous faites. Lui, c'est Dieu qui a fait son parable là. Voilà, donc mettez Dieu dans tout ce que vous faites. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ciao, ciao les amis. Bisous. Au revoir.